Hey, salut tout le monde, c'est Gabi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Rougemort Redemption, et je ne dirai pas Red Dead Redemption parce que je ne suis pas anglais, et je suis avec mon petit poncho tout troué car je trouve que ça fait un peu bamboléo, bamboléa. Et pour ceux qui pensent que c'est ma maison, eh ben non, c'est pas ma maison. Je suis un pauvre petit bandidos, un desperados, enfin tout ce que vous voulez, si, muy bien, tout. Toi le cheval, tu viens ici. Tu viens ici, j'ai dit. Tout de suite. C'est bien... Bon chien. Bon chien. Enfin, cheval, quoi, mais bon, c'est pareil. Un petit osprey, hein, quelques lettres près. C'est le même truc, quoi, hein. Attends, hein. Je vais vous montrer ma petite maison. Voilà, ma maison, elle est là. Elle est là. Oh, il y a même un trou dans le mur. Vous voyez à quel point je suis riche. J'ai une maison à trous. C'est des aérations. C'est la clim, en fait. Comme il fait chaud au Mexique, eh ben, j'ai la clim. Alors, que pourrais-je faire? Je vais pas les tuer, parce qu'il y a les policiers. Après, ils vont venir me chercher. Vas-y, monte les escaliers, Jolly. Yahoo! Oui, je l'appelais Jolly Jumper. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça original, j'ai trouvé ce nom tout seul en plus. Et mon bonhomme s'appelle Lucky Luke. Voilà. C'est un nom original. Entre 7h AM et 6h PM, il est quelle heure? Il est 2h. Donc on va sauvegarder, ça va passer 6h normalement. Si tout se passe bien, si. Et on pourra faire la petite émission. Voilà, hop, ya, yeah. Attends-moi. Voilà. Campagne de base, c'est... Attention. Eh ouais, moi j'ai un petit Pancho. Pancho Villa. Sauvegarder. Oui. Hop. Allez, tu t'assis. Voilà. Assoyage. Ok. Ya. Yeah. Oui. Voulez-vous l'écraser? Oui. Avec mon gros pied. Vous savez ce qu'on dit? Il y a un grand pied. Hein? Grande chaussure. Hein? partir. Voilà, c'est bien. Allez, mais on s'en fout, laisse le feu, il y a peut-être des gens qui en voudront de ton feu. Laisse-le. Peut-être des pauvres personnes qui n'ont point de bois dans ce monde si cruel. Qui est le Far West. Ah si, on va faire une mission. Le César Mexicano. Si. Voilà, ça a l'air d'être une mission un peu bourrin en plus, hein. Ah, mon petit Pancho, je suis vachement crédible, hein. Bah ouais, pourquoi pas. Two patriots were keen to make your acquaintance, el coronel. Fantastic! I love patriots! Hey, Sergeant Marston, you here to fight the war? At least I'll make a patriot of you yet. I hope so. Any word of those men? Oh, yes. I heard they were riding with Reyes. I wanted to talk to you about it. De Santo, hable con él. Tell him what I wanted. His Excellency, el coronel, would like to employ you in escorting a train down rebel country. The job is dangerous, but you'll have the honor of... Another patriot? Of knowing that you served Mexico in her fight against forces that would destroy our society. How much you offer? 20,000 pesos. Wow! Je triche avec tout ça, moi. Okay, then. Ouais, mais à tous les coups, ça fait 2 dollars ce truc là, 20 000 pesos. Hein, je vais quand même me faire entuber, comme d'habitude. Avec mon petit Pancho. Ah, tiens, ça fait vomir, hein. Venez, gringos, suivez-nous. Vas-y, mon dada. Ah non, je dois monter avec le capitaine, d'accord. Vous avez rien dit. Ah, il est où, capitaine? Capitaine Flamme, tu n'es pas un. Bon, par contre, je passe le trajet parce que j'ai un peu la flemme, les gars. Donc, si vous permettez, on va quand même passer ce passage. Oui, passer ce passage. Oui, c'était mignon comme rime. Vous êtes réveillé? Bah ouais, je suis réveillé. Tu crois quoi, toi?
I'd say that's a good thing, wouldn't you? Je présume qu'on va se faire atomiser à la rondelle du coup, non? Ça va être un truc de ce genre là. À tous les coups, hein? Embuscade d'espionnage. Oh merde. Oh, j'ai tué un dada. Ah zut, pauvre dada. Oh, désolé dada. Oh, je m'excuse dada. Toi tu meurs. Toi tu meurs, je t'ai dit. Voilà, c'est bien. T'as tout compris. Non. Ouais, Winchester, voilà. Accompagner le capitaine jusqu'à Chuparrofa. Fé, Chuparrofa. La petite ville, Chuparrofa, c'est à côté de Chuparrofo. Ouais, bref, on s'en fout. Ah, mais je peux pas passer là. Ah, c'est pas rigolo ça. Regardez l'autre dans la charrette, on dirait un Google avec sa tête. Yahoo, ouais. Regardez-le à l'arrière de sa brouette là. Yeah. On dirait qu'il écoute de la musique là. Tu sais, comme les gars. Qui sont sur la plage et tout, avec la sono à fond, qui font aller leur tête là en haut et en arrière là. Yahoo, ouais! Parce que lui, il a pas de musique. C'est un peu con. Passe encore plus pour un abruti. Eh ouais. Intrépide, mais pas stupide. Tu m'en diras tant. Ouais, on va encore se faire attaquer quoi, normal. Alto Kermada, si. Oh, y'a du monde là. Toi tu meurs. Toi tu te prends pour qui toi pour attaquer ma charrette comme ça, hein? Tiens. Allez. Dans tes dents. Non, c'est tout à peu près. Wow, la SNCF est à l'heure. Ouais. La SNCF est à l'heure. La 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 la. Ah, c'est magnifique. Un train qui est à l'heure. Oh les enfants, c'est pas arrivé depuis 300 ans. Un train qui arrive à l'heure. Oh my god. Ça doit être un mensonge. En fait il est à l'heure mais avec un jour de retard. Non, c'était nul. À moins que c'était rigolo. Vous avez rigolé. Si vous avez rigolé, je suis content. Si vous n'avez pas rigolé, bah, c'est pas grave parce que bah, c'était nul. T'as 20 000 pesos, je sens que je vais me faire entuber encore une fois. Hein. Ça va faire 2,50 $. Allez, dada, là, monte la colline. J'ai envie de finir cette petite mission, moi. En gros, le gars en fait c'est un sans ami, il pense que je bosse pour lui. Mais tu te prends pour qui toi? Moi je suis un vrai desperados, hein? Hein? Non mais oh! Tu me prends pour quelqu'un que je ne suis pas, hein? Genre, je fais partie de la police quoi. Non mais oh! Où va le monde quoi? Où va le monde? Putain, il fait encore du headbang avec sa tête lui dans la charrette là. Yeah. On y est enfin. Soldado. Suivez le capitaine. Ok, je l'ai poussé le capitaine. C'est pas grave. Allez, avance capitaine. Ou je te pousse encore. Je suis un rebelle moi. Faut pas croire. Je dois faire quoi alors? Je monte à l'arrière apparemment. Wow!
Oh, il y a une débroussailleuse. Ouah, wow, ça, ça déchire, les gars. On va débroussailler du rebelle. Ça, c'est rigolo, ça. Oh, ouais. Ouah, à fun, les gars. Putain, je peux le tuer si je veux. Oh, ouais. Mais non, on n'est pas tous morts, t'inquiète, je suis là. Ça, ça va être rigolo comme mission. Moi, je veux du méchant. Ils sont où les méchants? Yeah. Ils sont où? Et ils sont où? Et ils sont où les rebelleurs? La 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 la. Yeah! Bourrinage! Bourrinage! Yeah! Bam, 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 bam. Il se passe quoi là-bas? Vite, ils sont où? Allez! Putain, t'es mort aussi, toi. Attends, il est où, lui? Bam, 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 bam. Putain, mais t'espères quoi, mec? J'ai une débroussailleuse et toi, t'arrives avec ton petit pistolet, là. C'est toi, hein, qui est resté derrière, là. Allez, bing. Ils sont où, hein? Ah, il est là-bas. Oh, il a disparu. Touche pas à ma locomotive, toi. Putain, moi, si je tue beaucoup trop de dada, il y a la FBI qui va venir, hein. C'est pas bien, ça, hein. Faut faire attention, Gabi, hein. Bah, y en a plus, déjà. Ils ont déjà abandonné. Allez, t'as mouru, toi. Tiens. Tiens. T'es mort? Ouais, t'es mort. Allez, come on. Come on. Tiens. Oh purée. Oh, y'a du monde qui arrive là. Oh, y'a du monde. Oh, y'a du monde. En plus, je suis en train de tuer plein de dada. La SPA va venir. Je suis désolé à tous les amis. Les amis des animaux. Les gens qui aiment les chevals, vous aurez plein de saucissons après la vidéo, je vous promets. Et du steak aussi si vous préférez. Là, je vous jure, c'est pas des blagues. Vous irez à Intermarché et... Oh, on aurait dit qu'il se faisait... Oh, bam. Attention. Il y en a un là, voilà, t'as mouru. Il est où? Oh, il a monté derrière. Oh, ils sont montés sur le toit. Oh, ils commencent à se rebeller, les rebelles, là. Headshot, motherfucker, bitch. Your mom is a bitch. Ah, mais ils espèrent faire quoi, en fait, là? Bah, moi, j'ai une débroussailleuse, vous pouvez rien faire. En plus, j'ai munitions illimitées. Oh, la triple. Oh, la triple collate. Oh, oui. Oh, oui. Vas-y. Multi-kill, les gars. Yeah. Multi-kill de cheval. Oh, purée. Oh, cette mission est so épique. Est-ce qu'on va s'en sortir? Yeah. Et vous le saurez dans le prochain épisode. Non, je déconne.
Ça aurait été trop cruel que je coupe la vidéo ici quand même. On est en train de s'amuser. Et je tue plein de dada. Putain, je fais un génocide de dada là. C'est pas bien. Gabi, c'est pas bien. On tue pas les dada, Gabi. Oh putain, j'ai cru qu'il s'était pris la locomotive en plein dans la tête lui. Tiens, t'es mort. Ça me rend triste de tuer du dada quand même. Yeah, ah, mais lui il est devant, il est même pas capable de le tuer. Bigle va. Bigle. Putain, la locomotive elle va bientôt mourir par contre. Intérêt à faire attention les Gabi hein. Tiens. Tiens. Yeah. Ah ouais. Attends, ils sont où là? Putain, je parle pas beaucoup, je suis concentré sur ma purge là. Génocide de dada. Bon, j'espère qu'on est bientôt arrivé puisque la locomotive elle a bientôt mouru hein. Ça m'arrangerait qu'on soit bientôt arrivé. Ce qu'il veut lui, pourquoi tu me vises toi? Trou du cul va. Trou du cul. Trou 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 du cul. Trou 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 du cul. Moi je sens qu'il va quand même avoir du méchant là. Je crois hein, que c'est fini. Ouais. Oh yes. PGM de la Gatling. Gabi. Yes. Ouais. Je dois rester dans le train, d'accord. Est-ce que je peux faire tomber le poteau? Vous avez vu quand même, au temps des cowboys, ils avaient des poteaux électriques. Hein. Yeah. Il peut pas tomber. C'est nul. Wow. T'as imaginé, je tue toute l'armée là. On a de la chance d'être en vie, mais non, c'est le talent, garçon. C'est différent. C'est différent. Il y en a qui ont de la chance et d'autres qui ont le talent. Moi j'ai le talent, voilà. C'est comme ça. On peut pas tous être bons, hein, comme on dit. Bah, 20 000 pesos, ça fait 75$. Tu m'aurais pas un peu arnacationné, toi? Hein? Non, mais tu te prends pour qui, là? Non, mais attends, comment je me suis fait arnaquer, quoi? Bon, sur ce, les amis, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Allez, viens là. Ah, dada, viens là. Viens là, dada. On va se laisser là-dessus. Et moi, j'ai qu'une chose à vous dire. I am Paul, I'm son cowboy. On the rush, man, 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 man. Non, allez, sérieux, les gars. Ciao tout le monde. J'espère que cette petite vidéo, eh ben, elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Et ben, on va changer de phrase finale. Hein. Et puis, ben, à la prochaine. Et si on se voit plus, eh ben, on met des lunettes. Hein. Allez, tchuss.